Salut, c'est Julien Brun, je suis golfeur pro et aujourd'hui je passe dans l'interview en limite. Tu viens d'où ? Moi je viens d'Antibes, donc dans le sud-est. Je suis né à Cannes-sur-Mer, juste à côté. J'ai vécu là-bas toute mon enfance. Puis après je me suis exilé aux États-Unis quand je suis allé à la fac. Et puis je suis resté jouer là-bas pendant 2 ans. Et maintenant je vis à Prague. Pourquoi tu vis à Prague ? Je vis à Prague parce que ma copine, elle a trouvé du boulot, puis on avait envie de changer. C'est une belle ville, ville sympa. Je crois que c'est la plus petite capitale d'Europe, donc il y a beaucoup de choses à voir, mais ça reste quand même assez manageable au niveau de la taille. Et puis il fait bon vivre, quoi. Super cadre de vie. Il a fait plutôt très beau depuis que je suis arrivé, donc j'étais assez surpris là-dessus. Mais on mange bien, les bières sont pas chères, c'est agréable. Tu parles tchèque ? Non, pas trop. Je connais quelques trucs, mais on n'est pas encore dans la... on n'est pas encore bon là. Comment t'as commencé le golf ? Comme beaucoup, en suivant mon papa qui avait démarré quelques années avant. C'était plutôt un bon joueur déjà, un joueur à un chiffre. Donc je l'ai suivi, puis ça m'a plu. Et après, bon, j'ai fait d'autres sports, mais le golf petit à petit qui a pris de plus en plus de place. C'est quoi ton premier souvenir marquant au golf ? Je me souviens de mon premier 3-en-1. Ça, j'avais 11 ans, c'était un coup de bois 3. Le trou est de faire 160 mètres. Maintenant, je dois taper un fer 8, mais... C'est quoi ta plus grande fierté ? Ce dont je suis le plus fier, c'est mon parcours dans l'ensemble. Quoi. Je suis bien dans mes pompes, j'ai un bon équilibre, je suis content de ce que je fais, je suis heureux de jouer au golf, de faire ça. Donc ça j'en suis assez fier. Puis j'ai un parcours assez atypique, j'ai eu de super expériences, de super rencontres. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience de vie. C'était comment la vie aux États-Unis ? Moi, ce que j'adore, c'est le sport, tous les sports. Donc ça m'a permis de découvrir... Découvrir le baseball, le football américain, d'aller voir des matchs de basket dans les super salles. Il y avait du sport tous les jours, donc là je me suis vraiment régalé. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ça a été le fait que même les footballeurs américains, les joueurs de baseball, ils nous considèrent vraiment comme des sportifs, ils nous posent des questions. On est vraiment reconnus en tant qu'athlètes et ça c'est quand même super plaisant. T'es supporter d'une équipe ? Au foot, le GC Nice quand même, c'est à côté de chez moi, et puis je vais voir quelques matchs. Et après moi j'adore le hockey sur glace. Et je suis incapable de patiner. Je suis loin du compte de jouer, mais j'adore regarder. Et les Dallas Stars aux États-Unis, j'ai vu plusieurs matchs. Ça, c'est l'équipe que je suis le plus. Quoi. C'est quoi ton plus grand rêve ? C'est de retourner aux États-Unis, jouer sur le PGA Tour, m'installer là-bas pour être en position de jouer ces super tournois, pouvoir les gagner. Puis après, le plus grand rêve, c'est de gagner des majeurs et de jouer la Ryder Cup. Ça, c'est le top.